Abi, y a baisse de Mardi Gras à ce moment. Ambiance mix, sélection, master mix. Désolé les gars, je suis pas dans mon maquis, donc je maîtrise pas trop les trucs là, mais bon. À toi yo, bonjour. C'est toujours le modérateur dans les animations, dans le bref de la modération. Chaque jour qu'on se réveille, y a de nouveaux dossiers. Bon, avant qu'on a commencé, on va rater dans les généalogies. Voilà. Abi, faut prendre ton tabouret. Quand on disait que Mardi Gras, c'est un jour qui précédait le carême chrétien. C'est un jour où tu pouvais manger ce que tu voulais, comme tu voulais, fêter comme tu voulais, passer le lendemain, c'est mercredi dans le centre. Mercredi, tu vas prendre le centre, et puis tu vas commencer ton carême de 40 jours, vu quand tu vas partir dans Pâques. C'est dans ça maintenant qu'il y a quoi de voir ici, on a raté dans les coutumations, dans les déguisements. Voilà, en parlant de déguisements, il y a un enfant qui a parti à l'école nu. Quand il est arrivé là-bas, son maître dit, hey, pourquoi tu es venu à l'école nu? Il dit, non, madame, aujourd'hui, c'est à déguiser dans le Kirikou. On est où là? C'est dans ça maintenant que les enfants sont déguisés dans Saddam, d'autres sont déguisés dans militaires, d'autres sont déguisés dans policiers. Il y a un petit qui a parti déguisé dans fétisseur. Quand il est arrivé à l'école, là, son maîtresse lui a chassé. Mais pourquoi? Tout comme son papa, il a fassé. Il disait que, ah, mais ces fétisseurs là, ça n'a pas de la culture des Africains. On disait que non, papa, il va venir effrayer son camarade ici. En tout cas, ça se forme tout ça. Mais le jeune fille qui est en train de faire le buzz à ce moment sur internet, c'est le jeune fille qui a déguisé dans Fata Gbe, le premier dame de Côte d'Ivoire. Mémé Dominique Ouattara Fanta Gbe, vous savez. Mes enfants, soyez sages, je vous aime, bisous. Son baisse, il est monté fort. Comme on a oublié baisse de congélateur. Hey, mais en parlant de congélateur, il n'y a même pas quelqu'un qui s'est trompé même pour se déguiser à DJ congélateur. Même bébé 111 de ma, Fanwa. Ah, donc il n'y a même pas quelqu'un qui s'est trompé un peu même pour se déguiser à manager confirmé là-bas. Je suis le modérateur humoriste comédien.